Bonsoir à tous les amis pour l'émission exceptionnelle que n'a l'habitude de faire Abalon Live. Je suis avec le groupe. Ouais, avec nous. Ouais, parce que je n'arrive pas à le dire, c'est quoi le groupe? Botox for Daisy. Ah voilà, j'arrive pas à le dire, c'est génial, ça fait longtemps que le groupe il existe. Ça fait, oulala, ça fait un moment, mais ça fait pas si longtemps en fait. Cette formation, elle est nouvelle, quoi, 8 mois. Ouais, ça fait... Ouais. Donc ça fait combien de temps en tout alors, mon ami? On a recommencé Botox en fait. Là maintenant, ça fait 8 mois ouais, qu'on est dessus, la nouvelle version, avec un album en prévision. Oh, mais c'est génial, en plus un album en prévision. Ah. Donc, les prénoms pour le groupe. Seven. Yanis. Aline. Rodrigo. Super. Donc, les influences du groupe, C'est Botox. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on sait faire, quoi. Il n'y a pas d'influence, forcément. C'est ce qu'on sait faire. Et, non, en gros, la simplicité, c'est le guitariste qui arrive avec des riffs et puis on part dessus, quoi. Voilà. D'accord. C'est de la composition que vous faites ? L'influence, c'est lui qui fait. Alors donc influence, d'où vient ces influences pour justement venir avec des idées comme ça? Base punk, Bad Religion, plus punk rock californien, plus mélodie. Ouais. La mélodie américaine? Pas bourrin, ouais. D'accord, ouais. C'est ce qui t'influence le plus. Voilà. Vous êtes pas blanc. Vous, alors le groupe il vient de où? Je sais pas si on l'a dit. On vient de Genève. Ah. Voilà. Vous avez vu les amis, le groupe il vient de Genève. Ah, ce sont des jeunes voix. Voilà. On va pas dire ce sont des petits Suisses. Non, parce que Rod il vient de Ferney en fait. Ouais, j'habite en France. Ah, en plus, donc c'est moi qui dis une bêtise. Voilà. Ça m'étonne pas de toi. J'ai des petites questions comme ça. Donc, vous avez prévu de faire des enregistrements là? Ici, bientôt? Prochainement. On aimerait bien cet hiver en fait. Ouais, déjà de faire une démo pour pouvoir démarcher, trouver des concerts. Et puis, si tout se passe bien, ben, pourquoi pas faire un 45 tours et voir plus. Vous feriez un 45 tours, donc vous feriez du vinyle? Oui. Ouais. Ah, vous êtes des fans de vinyle? Voilà. Depuis toujours? Il a un mur. Personnellement, c'est depuis toujours. Ah ouais, tu as un mur avec plein de vinyles? J'ai une partie des murs de ma maison. Il habite dedans en fait. D'accord, bon, dis donc. Ça fait combien de temps que donc tu fais de la musique, toi? Moi, j'avais commencé quand j'étais petite. Quand j'avais 16 ans, quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté. Et j'ai fait des mioches. Et puis, j'ai recommencé il y a 8 ans. D'accord. Puis, j'ai trouvé un local. Puis, avec Seb, j'ai dit, j'ai un local. Puis, on a dit, allez, on fait un groupe. Ouais, alors comment il est né ce groupe? Sur la montagne. Oui, c'était sur la montagne, tu te rappelles? Et j'ai dit, oh, regarde, tu sais, j'ai trouvé un local et tout, on va faire un groupe. Et puis on a dit, moi j'ai dit, j'aimerais bien m'appeler Botox. Puis Sev, elle a dit, faut qu'on rajoute un truc. Puis on a réfléchi, puis après on a répété. Puis... Botox for Daisy. Voilà. Pourquoi, alors, oui, la fameuse question, pourquoi for Daisy? Ben, en gros, un petit délire. Daisy, la femme de Donald, hein, elle a 75 ans, elle n'a pas bougé, quoi. Elle est botoxée. Et puis, d'accord. D'une certaine manière, c'est un personnage connu, mais en même temps secondaire. D'accord. Et elle est belle. C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est belle, Daisy. Elle laisse son... Non, mais en même temps, l'idée, c'était un peu de déconner. Botox for Daisy, ça sonnait bien. On s'est fait plaisir. Ça fait B4D. Si tu lis comme ça, ça fait bad en même temps. On peut jouer sur tout. Et puis, on aime bien ce nom. Et puis, c'est resté. Et puis, maintenant, pour nous, c'est Botox for Daisy, quoi.
Vous avez sorti des albums déjà ? Un seul en 2015, mais avec un autre bassiste et un autre guitariste. Il y a un titre à l'intérieur qui vous affectionne le plus. Bon, ils vous affectionnent tous, bien sûr, mais un qui... Dans l'album d'avant ? Oui, ouais. Bien sûr, c'est Angelica, quoi. Ah, voilà. Quand voilà, Angelica, quand voilà, je tourne en bourrique. Je fais du nul dans le nul, je sais pas quoi, c'est pathétique. Comment je fais pour le bidet ? Comment je fais avec Minet ? Et le monde, où est-ce qu'il est ? J'ai pas trouvé non plus balai, mon ange, mon Angelica. J'ai trop besoin de toi, quand t'es pas là. Est-ce qu'on peut en parler un peu Angelica, elle fait partie même en fait du début de Botox en 2012. Avec le premier combo et tout, et le premier guitariste qui était venu avec, en fait. Qui était le guitariste, en fait, d'un groupe bien connu à Genève, Les Fautes de Frappe, un autre groupe de punk et tout, et puis Ghetto Blaster, ce genre de choses. Et puis, je salue bien, en fait. Non, on déconne, il ne sera pas là. Mais sinon, c'est vraiment le morceau qui est resté. Après, de ce qu'on a fait dans l'ancien album, on ne pourrait pas le rejouer par rapport à ce qu'on fait maintenant. Vous avez voilà. Par rapport à une évolution, une révolution. Evolution. C'est une evolution en fait. Non, c'est comme je te disais, c'est comme ça part en fait toujours avec les musiciens qu'on est là. C'est comme si tu mets un tableau blanc et puis on est les quatre à envoyer nos couleurs dessus. Ça va donner une couleur. C'est difficile de refaire des couleurs qu'on a fait avec quelqu'un, n'est-ce pas ? La peinture musicale. Chez Molière, je pense qu'il faut essayer d'être très artistique et de soulever le 7e art comme il faut. Parlons de Molière, alors justement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ouais, non, je connais pas bien. C'est ce qui est malade, là. Voilà. Ouais. D'accord, donc... C'est quand qu'il y a les sous, là ? C'est l'or, monseigneur. Ah oui, d'accord, mais oui, c'est vrai que c'est un super film avec Louis Dufunès. N'est-ce pas ? C'est pas Molière ? Ouais. Oui, mais Louis Dufunès, il avait fait un film aussi, il est l'or, monseigneur. Blaze. C'était génial. Le groupe, il est constitué alors de guitare, basse. Une guitare, une basse, une batterie, un chant et un backing pour le moment. Un backing. Backing vocal, c'est-à-dire qui fait les chœurs au niveau du chant. D'accord. La batterie, j'ai bien compris, c'est jouer du rythme comme ça. Pourquoi la batterie et pas un autre instrument? Ah ouais, la super question. C'était par hasard, j'ai commencé par hasard. Ouais, mais tu fais de la musique déjà depuis que t'es petite. Ouais, non, j'avais 16 ans, puis j'avais un copain qui jouait de la guitare, puis je m'emmerdais au local, puis il m'a collé derrière la batterie. Ah ouais, et tu joues super bien. Oui, très bien, bien sûr. Et ça, t'adores le rythme en fait. Ouais, j'adore taper en fait. D'accord, une femme qui adore taper, c'est génial. Tant que c'est pas sur la gueule des gens. Tant que c'est pas sur la... des gens. Quoique, il y en a qui mériteraient quand même, mais bon. Ouais. Peut-être moi aussi, on va savoir. S'ils méritent, je peux taper. Mais... D'accord. Et moi, je mérite ? Non. Ah, c'est génial. Super, je suis content. Bon. Des bisous, toi. Faites-moi des bisous. Allez, faites-moi. Voilà, ils m'ont fait des bisous. Oh là là, je vais avoir des problèmes à la maison, hein, moi. Halloween. Bon, est-ce que vous avez une anecdote là à nous de groupe là ? Depuis que le groupe il existe, est-ce qu'il arrive à un moment donné vous avez une anecdote ? Je pense qu'il y a quand même une anecdote que j'ai pu comprendre, mais on va peut-être pas en parler, mais une anecdote que vous avez. Moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est il y a 3 semaines à peu près. On nous a téléphoné à 11h30 le matin pour jouer le soir. On devait être 11h30 le téléphone, 17h on était à la salle de concert pour jouer dans la plus grosse salle de Genève. Avec un groupe de la région, enfin, c'est la plus grosse salle, mais c'est pas ouvert entièrement, on va dire, avec un groupe de la région. Puis on s'est vraiment pointé en 4-5 heures, on était tous là réunis avec le matos prêt à jouer. Et c'était un peu le truc qui s'est fait comme ça, tac. Donc on peut vous appeler, vous arrivez ? Voilà, quand tu veux. On est venu aujourd'hui, donc on vient de Genève, on est parti à 11h ce matin. Et on repart demain matin à 11h pour rentrer parce que... Rod, il a fait la nuit dernière, et puis la nuit prochaine, il refait la nuit. Quoi. Il travaille de nuit. Voilà, donc en plus de ça... Il vient travailler en musique, mais autrement, voilà. Il fait ses nuits. Quoi. Donc c'est des musiciens hyper courageux. Vous êtes ici ce soir, c'est pour Halloween. C'est un festival pour Halloween, pour le plaisir de partage de la musique. C'est un partage de la musique. C'est un partage aussi avec Sylvain et puis Fred, hein, des Fighter Peace Not et puis des Traptors. Qu'on a rencontré depuis un petit moment. Et puis, grand plaisir de venir chez vous. Quoi.
Ah ben, on vous remercie. Une question qui peut arriver d'un coup. Je lance la perche. Y a-t-il quelqu'un qui a une question ce soir? Est-ce que vous avez un message? Ouais, mais... Ah, attendez, vous allez voir. Le micro. Hop, il arrive. Alors, la question du caméraman, c'est est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? Voilà, imaginons que quelqu'un tombe sur la vidéo dans 10 ans, dans 20 ans. Alors donc... Donc le message, c'est dans 10 ans, des jeunes, dans 10 ans, vous avez des jeunes par exemple, c'est quoi le message ? Si tu fais les choses par amour, tu feras toujours des bonnes choses, quoi. Donc si tu y vas avec les tripes, mais par amour, tu détruiras jamais rien et puis tu partages, quoi. Même si c'est un délire, même si c'est une connerie, même si c'est autour d'un morceau de fromage, je dirais, au même moment où c'est fait avec joie et amour, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Les amis, le message ce soir pour les amis musiciens, l'amour, le bien, ça détruit le mal. Donc soyez tous dans le bien, c'est hyper important, pas vrai? Pas vrai? Exactement. Merci, merci les amis, à bientôt. À toi, à tout bientôt. Allez, à tout bientôt. Et on... Alors, vous avez un site internet? Non, pas encore. Pas encore, une page Facebook? Instagram. Pardon. Page Facebook, Botox for Daisy. D'accord, donc nous on va faire les partages avec la radio. Ça fait Botox 4 Daisy. Voilà, et donc vous allez les voir les amis. Regardez, regardez tout de suite pour la caméra. Le graphiste. Ah mais il est graphiste, t'es graphiste? Non, pas du tout. Mais t'as fait un super truc là, regardez les amis. Regardez, vous savez quoi les amis? J'ai des questions, et bien les questions on les jette. Et on regarde simplement ça. Parce que c'est le meilleur, il est là. Pas besoin de faire des questions, il est là, il est dans le cœur. Et ça, c'est un groupe formidable, allez-y, écoutez-les. Et on attend avec impatience votre futur album. On l'espère aussi, et merci beaucoup à toi, et puis au caméraman, et à la charmante photographe que tu as derrière. Tout à fait, notre photographe de la radio d'Abalone Live, elle est là, présente, oui. Et on ne pourra pas dire parce que sinon elle est un petit peu timide. Non. Mais on en a aussi. Ils sont timides. Mais on vous remercie beaucoup. On va vous entendre jouer là dans un instant et on va tous se régaler. Vous allez avoir les photos et la vidéo sur internet. A très vite les amis. Yeah. Merci.